Aval. À suivre également dans le journal, Christian Bouguet. En Afrique de l'Ouest, plus précisément au Sénégal, le président septembre 1887-12 septembre 2024, jour pour jour, cela totalise 137 ans depuis que papa Simon Kimbangu a vu le jour sur cette terre des hommes. Suite à sa lutte menée pour l'éveil de la conscience de l'homme noir en vue de se libérer du joug colonial, raison pour laquelle les cultes des circonstances ont été organisés à Kinshasa et en Kamba Nouvelle-Jérusalem. En Kamba Nouvelle-Jérusalem, ce culte a été supervisé par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kyangani, d'où on a constaté la présence de cadres ecclésiastiques et quelques autorités politico-administratives du pays. Prenant la parole, le numéro 1 de l'église s'est exprimé dans ce sens. Par contre, à Kinshasa, le pasteur provincial de la ville province de Kinshasa, le révérend Pumba Lozambo Avalon, a édifié les croyants kimbanguistes présents au centre kimbanguiste d'accueil de conférences de Kinshasa. Thank you.
L'église kimbanguiste, par les canaux de sa structure, l'œuvre philanthropique kimbanguiste, OPHK en sigle, a procédé au lancement officiel des travaux de construction de l'orphelinat Papa Simo Kimbangu le lundi 9 septembre 2024 au camp Fouma en Kamba Nouvelle-Jérusalem dans la province du Congo central. La prédication de cette cérémonie a été dite par le révérend Lebe Kapalai. On prit part à cette cérémonie. Les cadres ecclésiastiques, les autorités politico-administratives du pays, notamment le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambété, mais surtout Madame la ministre Genre, Famille et Enfants, Son Excellence Léonie Kandolo Omoi. La modération était faite par le révérend Matondo. Pour les comptes de l'église kimbanguiste, la directrice générale de l'œuvre philanthropique kimbanguiste au PHK en sigle avait lu le mot des circonstances. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui en ce lieu pour le lancement officiel des orphelinats Papa Simon Kimbangu. Un lieu d'espoir et de renouveau pour tant d'enfants. Permettez-nous de commencer par exprimer notre reconnaissance envers toutes les personnes présentes ici, en particulier les autorités locales, nos partenaires, ainsi que les bénévoles, dont le soutien indéfectible a rendu ces projets possibles. S'en est suivi celui de Son Excellence Madame la ministre Léonie Kandolo Omoi. En effet, je manque de mots pour exprimer la grande considération que l'Église kimbanguiste, à travers sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, a témoigné en ma personne et à tout mon cabinet. Veuillez recevoir mes sincères remerciements et l'assurance de mon engagement à conforter la relation entre le gouvernement à travers le ministère du Genre, Famille et Enfants et l'Église kimbanguiste. Le conseiller direct du chef spirituel, Papa André Mbenza Kiangani, qui représentait le numéro 1 de l'Église, a adressé un message fort pour la circonstance en ces termes. Maman ministre, il y a solo Totondina et Sengo. Donc, na ndenge ni tomoni ba discours ndenge euti kotanga ma awa. C'est vrai. Soki lelo yo kombo ya tata Simo Kimbangu ezali kotanga ma pe kokende na mokili mobimba. Quel bon était hier Papa Simon Kimbangu, Azala qui est cultivateur, afin d'aki aura un camp. Kasi, hier, ayoka qui ngongo et utali kili kolo, yang kolo yesu, koloba était. Papesie mokumba ya kobikisa mokili mobimba surtout kolongola mutu mwindu na mpasi oyo azalaki na yango ya esclavagisme. Mama na banza ofandi na boma oyebi boma malamu makambo nini oyo bandaki koleka. Kuna na kati na boma trafic oye bandaki ko salama ya posu to moto mwindu mama webi histoire wana malamu. Le temps fort de cette cérémonie, le dévoilement de la maquette par Son Excellence Madame la Ministre en présence du conseiller direct du chef spirituel. Tout est bien qui finit bien, désormais l'orphelinat Papa Simo Kimbangu dans les jours à venir, ça sera une réalité.
Le dimanche 8 septembre 2024, le pasteur provincial de la ville-province de Kinshasa, le révérend Pumbalo Zambo Avalon, a prié ensemble avec le croyant kimbanguiste de la paroisse missionnaire de Mango dans la commune de Mbazeke. Dans sa partie liturgique, l'officiante du jour, la catéchiste Maleka Mabondo Gina, a tiré sa prédication dans les livres de Psaume 41, 5, 9, Deutéronome 5, 1, 21, 2 Corinthiens 8, 1, 12 et Esaïe 65, 21, 25. Nabongisa ezale minangai, nabongisa nzela nangai, awo ezali kokotama molimo nosan, awo mokile koya pona kofuka melangai, mokola mona za lokun, kasi baba bangai mabanga te. Le temps fort de ces cultes, la cérémonie de réhabilitation des fidèles qui étaient sous discipline. Cérémonie exécutée par le pasteur sectionnaire, le révérend Kingombe Roger Popol. Ça n'est suivi l'intervention du pasteur provincial, le révérend Pumbalo Zambo Avalon. Les saluts au drapeau et les défilés faisaient partie de ces cultes. Pour participer à la construction d'un camp à Nouvelle Jérusalem et la paroisse des Mango, les collectes des fonds a créé l'ambiance à ces cultes. Pour boucler la boucle de ces rendez-vous dominicales, le pasteur sectionnaire de Mango livre ses impressions devant la presse. Nous avons dit que nous avons dit que cette énième réunion qu'accueillera Luanda ce 14 septembre autour du médiateur angolais João Lourenço s'annonce déterminante puisqu'il va être question de tenter une nouvelle chance face à la persistance de l'insécurité dans la partie est du pays. Après la récente rencontre ayant accouché d'une souris, les parties congolaises et rwandaises qui seront dans un nouveau face-à-face se pencheront sur le retrait des RDF, mais aussi, et pour la première fois, sur le plan de neutralisation des FDLR. La question des FDLR qui s'invite désormais
à Luanda a toujours servi d'alibi aux voisins rwandais pour justifier ses appétits expansionnistes en République démocratique du Congo. Face à la duplicité dont a toujours fait preuve l'interlocuteur de Kinshasa depuis le début des discussions, quelle approche diplomatique ? Depuis près de 2 ans, la province du Nord Kivu est le théâtre des violents affrontements entre le terroriste du M23 et l'armée nationale, ce, en dépit des cessez-le-feu annoncés. Cette situation a entraîné un calvaire humanitaire sans précédent dans les différents camps des déplacés. Porteur d'un message officiel du président de la République centrafricaine, le ministre de l'administration du territoire, décentralisation et du développement local Bruno Yapandé a été reçu ce mercredi 11 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un tour d'horizon de l'actualité de l'heure et surtout tout ce qui entoure l'environnement de collaboration d'entente et de coopération entre la RCA et la République démocratique du Congo a été fait lors de cette rencontre. C'est des échanges vraiment fructueux qui peuvent nous aider à bien avancer dans la bonne direction tant souhaitée par les deux pays. Nous sommes beaucoup appesantis sur le processus démocratique et politique en République centrafricaine, notamment les différentes élections. L'année dernière, nous avons organisé les élections locales, le référendum constitutionnel dans notre pays, ce qui nous a permis de nous faire doter d'une nouvelle constitution que nous appelons la constitution de la 7e République. Et cette année, c'est également une période exceptionnellement consacré à des différentes élections. Nous avons déjà enclenché le processus. La République centrafricaine, qui organise sous peu des élections locales et qui seront suivies l'an prochain des élections générales, s'est dit par ailleurs disposée à recevoir tout soutien de son voisin, la RDC. Vu la proximité de la République démocratique du Congo avec la République centrafricaine et ce que nous avons en commun, mais nous ne pouvons que soutenir tout apport qui peut venir soit de la part de la République démocratique du Congo et d'autres pays voisins de la République centrafricaine. Vous savez que la République centrafricaine sort d'une longue période de crise qui a miné négativement le système économique et financier de notre pays et nous ne pouvons que compter sur nos frères. Bien avant cette entrevue, le chef de l'État avait conféré dans ce même cadre avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Christian Bossembe a fait part aux premiers citoyens du pays de nombreux défis auxquels cette institution d'appui à la démocratie est confrontée. Le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Desjardins Sigle, Miché Moussaka Mayelenkai, vient d'être une fois de plus primé d'un diplôme de mérite par l'Union des journalistes pour l'émergence du Congo, UGEC en sigle, le lundi 9 septembre 2024, dans la salle de réunion de la Desjardins à Kinshasa Gombe. Ministère de la Communication et Médias, Union des journalistes pour l'émergence du Congo, ASREL. Diplôme de mérite et d'excellence numéro 020-99. Pour s'être particulièrement distingué en République démocratique du Congo par le travail, la vertu et des actions plutôt de grande envergure sur le plan de la technique, administrative, managériale, sociale et tant d'autres au service de la nation congolaise, nous, membres du jury de l'Union des journalistes pour l'émergence du Congo, ASREL, décernons ces présents diplômes d'honneur, d'excellence et de mérite civique à M. Moussaka Mayekai Miché, directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa en République démocratique du Congo. Ce dernier fait désormais partie du cercle restreint des jeunes fils et filles de la RDC dévouée pour la cause de la patrie. Fait à Kinshasa le 9 septembre 2024, secrétaire général de Bougoulia, 13. Voilà.
C'est ASBEL qui a pour objectif de faire la promotion de personnes qui excellent dans leurs domaines respectifs et les DG de la DGARCA en a fait la preuve. Ravi de la reconnaissance de l'IGEC à son égard, le DG Michel Moussa Kamayele Nkaye ne s'est pas tu devant les chevaliers de la plume de cet ASBEL. Ici présent, mesdames, messieurs, les agents et cadres de la Direction Générale de la CFE de Kinshasa. Nous sommes une fois de plus émerveillés et surpris de la présence d'une troisième association sans but lucratif qui se présente dans nos murs pour décerner, non pas à nous seuls, mais à toute la haute direction, à tous les agents et cadres de la DGARCA, les mérites du travail abattu durant cette année 2024. Et j'étais surpris avec précision que toutes les informations sur ma personnalité et sur la Direction Générale de la CFE de Kinshasa ont été retracés dans les discours prononcés par les membres de l'IGEC. Bien sûr, mais aussi, il faut retenir une chose, c'est le fruit du travail qui doit apporter la richesse. Nous devons rester déterminés. Nous devons travailler avec dévouement, surtout dans la mission qui nous a été confiée, celle de la mobilisation des recettes au profit de la ville de Kinshasa pour donner à l'exécutif provincial les moyens de sa politique. Nous avons reçu il y a quelque temps le prix des citoyens congolais qui nous a décerné un prix d'excellence du citoyen congolais Motoyasika. Après le prix d'excellence des citoyens congolais, Motoyasika, nous avons reçu le prix de la SMEL CS, une association des anciens de l'université de Kinshasa, et encore à ce jour, le prix de l'IGEC, un prix d'excellence et de mérite pour le travail abattu. Je dédie ce diplôme aux institutions de la ville de Kinshasa, à l'autorité urbaine, son excellence le gouverneur de la ville de Kinshasa, et à tous les agents et cadres de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa. Ce n'est pas pour nous l'occasion de nous enorgueillir. Au contraire, c'est un défi majeur. À ce jour, pour ce qui concerne la mobilisation des recettes, tant ici à la Direction Générale des Recettes de Kinshasa que dans tout le parcours où je voudrais que nous puissions nous situer, je conseillerais toujours de travailler avec détermination et de chercher toujours à atteindre les résultats parce que notre politique vise une gestion axée sur les résultats. Je ne vais pas m'étendre là-dessus pendant longtemps. Mes sincères remerciements, c'est pour la toute première fois pour moi que j'entends parler de l'IGEC. Et cela me surprend, mais en toute réalité, je ne peux être que reconnaissant ensemble avec toute l'équipe de la haute direction qui nous a accompagnés. Je sais que le prix d'être remis à une personne comme la coupe, mais en réalité, sur terrain, il y a plusieurs acteurs. Et à tous ces acteurs qui nous accompagnent, et je vous dis aussi merci.
et je vous demande qu'ensemble nous puissions relever les défis. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko jouent une carte maîtresse de leur quête d'une majorité parlementaire dans l'espoir de réaliser leur vision d'un Sénégal solidaire et prospère. Pour cela, il leur faut la majorité au Parlement. Le président du Sénégal a officiellement initié le processus des dissolutions de l'Assemblée nationale, une décision qui pourrait profondément remodeler les paysages politiques du pays. Cette initiative intervient dans un contexte où le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, cherche à obtenir une majorité parlementaire indispensable pour la mise en œuvre de ses politiques axées sur le panafricanisme et la justice sociale. Face à sa vision, les forces d'opposition qui dominent dans l'Assemblée, ce qui complique la tâche au gouvernement pour faire passer ses réformes. Conscient de cette impasse, le président Faye a saisi le Conseil constitutionnel pour clarifier les conditions légales de la dissolution parlementaire. Le Conseil a confirmé que cette dissolution peut être légalement prononcée à partir de ce jeudi. Une fois ces avis recueillis, le président Faye émettra un décret officiel prononçant la dissolution du Parlement. Ce décret devra également fixer la date des élections législatives anticipées avec pour objectif d'installer la nouvelle législature dans un délai maximum de 3 mois suivant la dissolution. Cette période transitoire sera déterminante pour le futur politique du Sénégal, offrant une opportunité de renouvellement et de rééquilibrage des forces en présence. Les réactions à cette annonce sont variées. Les partisans du gouvernement voient en cette dissolution une chance de surmonter le blocage actuel et de progresser vers un Sénégal plus juste et uni. En revanche, l'opposition critique cette manœuvre, la qualifiant de tentative de consolidation du pouvoir exécutif au détriment de la représentation parlementaire. Des pertes en vies humaines, des dégâts matériels considérables sont enregistrés dans plusieurs pays africains. Dans un rapport publié par les bureaux de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, plus de 700 000 personnes sont affectées dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est fortement menacée également. Bien que l'attention soit souvent mise sur les grandes villes, les zones rurales, déjà moins loties en termes d'infrastructures et des services sociaux de base, sont les plus affectées. L'analyse des suivis des zones sur site et superficie cultivées pendant 2 périodes d'évaluation durant l'année 2024 en comparaison à l'année 2023 montre également une situation de danger et vulnérabilité du fait des pertes énormes des terres agricoles, notamment au Mali. Il s'agit des 113 619 hectares, au Nigeria 204 808 hectares. Dans une sous-région où au moins 52 millions de personnes sont en risque d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les tendances dégagées par les prévisions saisonnières se sont avérées exactes, ce qui démontre la nécessité de s'investir davantage dans des systèmes d'alerte précoces, solides et accessibles aux différents niveaux, principalement aux populations locales. De plus, une anticipation par la préparation et la mise en œuvre d'actions localisées pourrait mieux atténuer les impacts en limitant les dégâts occasionnés, en sauvant des vies et en protégeant les moyens d'existence des populations vulnérables. Au Tchad, les pluies diluviennes et inondations ont fait plus de 340 morts et près de 1,5 million de sinistrés depuis le mois de juillet. Et au Nigeria, on parle de plusieurs dizaines de morts et plus de 400 000 sinistrés. C'est la fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres.
Christian Boutiembe a présenté au président de la République, Félix Tshisekedi, un plan de régulation des médias traditionnels et sociaux. Le président du CSIAC a été reçu le mercredi 11 septembre 2024. En Afrique de l'Ouest, plus précisément au Sénégal, le président Adama Ifa a maintenant le feu vert pour dissoudre l'Assemblée nationale. Dans la majorité, mesdames et messieurs, nous voici arrivés pratiquement à la fin de cette session d'information. Merci d'avoir été les nôtres. Bonne suite des programmes sur la radio-télévision.